pour Thierry qui est en dessous là, je suis à 3 points, c'est ouais, c'est du dans le sud. Bonne défense de David Booker, ça prend le shoot à 2 points, c'est dedans. Sur le banc, les ballons perdus là par Saint-Maurice. Allez, David Booker, peut-être la contre-attaque, il n'y a pas de foot. Ah, c'est dommage. On aurait peut-être pu avoir un peu plus simple derrière, ouais, ça arrive. Pour Saint-Maurice, voilà, super de passe de Simon Davangean pour David Booker. Et allez, ça à 3 points, il est réussi avec le Guillaume Yango qui redonne à Chan Flower. Super! Oh la balle! C'est qui finit par rentrer. Encore un tir à 3 points, là, mais il faut rassurer. À la fin du carton, mais pour l'instant, c'est un gros gros pourcentage. Chan Flower, c'est à 2 points. Allez, on va faire la tête. Allez, Audi Basset pour Yango. En ligne de fond avec Alexis Tang, peut-être à 3 points. Pas encore une possession, un début de possession en tout cas pour l'équipe championnoise. Il va faire son extrait de la seconde. Devin Booker, oh la force de Devin Booker et le ballon pour Kevin Corr qui se retourne de oh là là. 13 points de retard encore hein, pour le Pasalic là qui commet une faute juste derrière la ligne médiane. La possession des 24, Pasalic, ouais, il approche sa chance à 3 points, ça paraît oh, ça paraît un petit peu même sur ses passes, quoi. Avec Jérôme Sanchez, la belle passe pour Kevin Booker. Avec Simon Arnaudan qui réduit le score. Attention à Audi qui donne le ballon directement dans les mains de Sacha Dupont. Attention sur la contact. Bon rendez main gauche sur le droit. Ah c'est Servet qui s'est fait prendre la balle. Simon Arnaudan. Oh là la faute sur Simon Arnaudan. Pour l'instant, il y a possibilité de revenir à 10 longueurs. Faut que Simon voilà, l'interception et Audi basket. Voilà, c'est peut-être là, il y a tant de monde. Les rouges et blancs toujours en possession du ballon. Oh avec Kevin Corr, oui, il est seul dessus, il assure. Il assure Kevin. Pasalic qui fait un gros bac contre Pasalic. Il y a peut-être un surnom avec John Flowers qui va attaquer le cercle avec la planche. C'est dedans pour un John Flowers. Il y a le ballon dans les mains, Xavier qui donne derrière à Kevin, ouais, c'est un bon tir, il est tout seul. À 3 points Ouais, Audi Basset, il réussit le premier lance à jouer, le deuxième il a réussi. Demi-temps pour l'instant, c'est une fin de mi-temps
pas terrible, on n'était pas dedans. En plus, ils ont une très forte adresse au tir, surtout sur le premier quart-temps. Après, dans le deuxième quart-temps, on a eu une petite période de vide et donc on arrive au vestiaire avec un petit écart, enfin un bon écart même. Et donc on arrive en deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'attention, on arrive à cette fois à les gêner physiquement et les empêcher de dérouler leur jeu. On revient à un point et là, bah, après, ça joue à des détails, à deux, trois shoots qui rentrent pas, eux qui vont marquer des shoots difficiles et voilà. Ah bah du coup, on va essayer de bosser au mieux le prochain match. Et, de toute façon, on n'a pas le droit de lâcher. Hein. Vu là où on est placé, on n'a aucun droit de lâcher. Donc, voilà.